Denis D'Antoni, vous l'avez fait. Oui. Vous l'avez rêvé et vous l'avez fait. Absolument. Bravo. Merci. Quasiment tout seul. Oh, pas vraiment tout seul, mais disons que au démarrage, oui. Et ensuite, des gens sont venus me rejoindre, des gens m'ont appuyé. Et voilà, c'est les réussites que l'on a, nos réussites personnelles, elles ont très peu de valeur. La plus belle chose que l'on puisse faire, c'est tout ce que l'on fait ensemble. Et il est modeste. Non, c'est une réalité. C'est une réalité. Les ouvriers d'abord qui ont construit déjà le théâtre, une équipe extraordinaire, les gens qui travaillent à la communication, les élèves de l'école qui ont mis la main à la pâte pour aider partout, tous les gens qui ont soutenu et relayé l'information, la mairie qui a réagi positivement en nous aidant, la communauté de communes. Voilà, il y a énormément de gens qui se sont mobilisés. Denis D'Antoni, il y a quelques années, vous arriviez à Aix, ouais, et vous avez ouvert le Il Piccolo. Il Piccolo Théâtre, oui. Et du Il Piccolo aujourd'hui, on passe au théâtre d'Aix. Oui, exact. C'est quoi la nouveauté? Qu'est-ce qui va changer? Alors, pour le Piccolo, pas grand-chose. Il va continuer à vivre sa vie de café-théâtre tel qu'il a vécu jusqu'à aujourd'hui. Sauf que maintenant, le Piccolo a un grand frère qui, lui, va se permettre d'avoir une programmation très, 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 très ouverte. Théâtre, musique, danse, chant, et dans des domaines un peu différents, puisqu'on aura trois grands axes à défendre. Les fondamentaux, chose à laquelle je tiens énormément, je tiens énormément à ce que les gens retrouvent les Shakespeare, les Molières, tels qu'on les a écrits dans la lettre, de façon à ce qu'on conserve cette richesse-là. Qu'on se tourne aussi vers les nouveaux auteurs, c'est le cas par exemple de Jean-Luc Lagarce qui va être interprété par une des pièces de Jean-Luc Lagarce qui va être interprétée par Martin Juvanon de Vachat, un nom qui ne s'invente pas. Voilà, donc défendre les nouveaux auteurs et aussi être le plus ouvert possible à toute forme d'art, parce que le théâtre c'est aussi de la danse, c'est aussi de la musique, c'est aussi du cirque, c'est aussi de la cabriole. Et c'est une école. Et c'est une école. Ah oui. Allez, alors. Parlez-nous de l'école de l'acteur quand même. Ben parce que en fait, ce théâtre est né de l'idée d'implanter une école de formation professionnelle de l'acteur, théâtre et cinéma. Une idée que j'ai depuis très longtemps, parce que la formation des comédiens en France se limite à la scène. Et on apprend très rarement le travail face à la caméra. Il y a effectivement maintenant dans les écoles dites d'art dramatique 4 à 6 heures par mois qui sont consacrées au travail face à la caméra. C'est une hérésie. Dans notre métier, on est amené à travailler autant sur la scène que face à la caméra. Au niveau de la formation, il faut que la formation soit d'auteur égale. Et donc c'est ce que cette école se propose de faire, une formation à égale hauteur pour la scène et pour le cinéma. Et avec une autre particularité, c'est que c'est une formation sur 4 années. Ces 4 années, c'est 3 ans en école et 1 an en tournée en France sous chapiteau, de façon à ce que les jeunes gens, au sortir de leur formation, aillent vers le public et les professionnels aussi, pour montrer ce qu'ils savent faire, mais de façon évidente, puisqu'ils vont monter des pièces et ils vont présenter leur court-métrage. Alors, une grande ambition accompagne ce lieu. Vous avez sorti un programme, vous avez avec vous tout un tas de gens formidables qui comptent dans le métier des arts à Aix, j'allais dire en France. Et ce soir, on voit quelque chose, c'est qu'on vous aime, on vous apprécie. C'est bien aussi pour vous de vous sentir entouré comme ça. Un petit mot sur ce programme, allez, rapidement. Oui, d'abord, un petit mot sur l'idée d'être aimé. Il y a des tas de gens qui disent « Oh non, qu'est-ce que tu veux, toi? Tu veux être aimé ?» Mais oui, bien sûr. Oui. Ouais, mais oui, on veut tous ça, on veut tous ça. Et moi, je vous aime tous autant que apparemment on m'aime. Donc voilà, et je trouve ça formidable que les gens se réunissent et s'apprécient. Et cette programmation, donc, effectivement, elle est faite pour pouvoir... faire en sorte que les gens se rencontrent, s'amusent et découvrent des choses. Vous voyez, c'est que les jeunes gens découvrent les pièces du passé, découvrent avec Fabou la Bouffe par exemple, et bien tous les jeunes gens qui viendront voir Fabou la Bouffe vont découvrir ce que c'est que la Commedia dell'arte. C'est important quand même. Quelle énergie! Merci Denis D'Antoni. Merci infiniment. Bonne réussite à vous. Merci à vous tous et on vous y attend très nombreux. Merci.